We can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Salut à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare. Donc alors je voulais déjà vous dire que je vais vous expliquer tout mon avis sur ce jeu, donc il y a pas mal de choses à dire. Je voulais aussi vous préciser que je n'ai aucun intérêt à en dire du bien ou du mal. Je n'ai pas de contrat avec Call of Duty ou Battlefield. Voilà, je voulais vraiment vous dire que un youtubeur avec si peu d'abonnés n'a pas de contrat avec des jeux. Il n'y a rien à gagner si je dis du bien ou du mal de tel jeu. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que les youtubeurs ont des contrats avec tel jeu pour dire du bien ou pas. C'est possible que des gros youtubeurs aient des contrats avec des jeux, mais pas quand on a 2000 abonnés. Donc voilà, je voulais vraiment vous préciser ça parce que j'ai déjà eu des commentaires sur le fait que je disais du bien de certains jeux pour gagner de l'argent. Sachez qu'il n'y a aucun intérêt à ça. Je suis vraiment neutre dans mes propos. Je vais tout vous expliquer sur mon avis sur ce jeu. Alors déjà premièrement je voulais vous dire que pour moi le jeu est intéressant. Si vous aimez Call of Duty, c'est un bon Call of Duty. Enfin c'est pas un... on va dire que c'est un des meilleurs Call of Duty, mais ça correspond à un Call of Duty. Si vous aimez la licence sur les autres opus, à mon avis vous allez aimer celui-là. Après je voulais quand même préciser quelques trucs. Moi personnellement quand j'ai commencé à jouer, donc j'ai fait deux parties sur la bêta et j'ai directement déconnecté tout simplement parce que j'ai ragé de quelques trucs de ce jeu en fait. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui en jeu d'armes parce que ils ne sont pas présents dans ce mode de jeu, donc ce sont les spécialistes. Franchement ce jeu je le trouve intéressant au niveau des maps, au niveau des armes, les graphismes, voilà, c'est du Call of Duty, c'est pas magnifique, mais moi ça me va, honnêtement j'aime bien le gameplay. C'est pas pour les graphismes que je joue à Call of Duty, mais vraiment c'est les spécialistes qui m'ont fait vraiment rager. Alors il faut savoir qu'il y a un spécialiste qui en gros, si vous avez joué à Modern Warfare 3, donc vous vous rappelez des FMG9 Akimbo, donc c'était des espèces de pistolets automatiques, on en avait un dans chaque main, et c'était des petites mitraillettes automatiques on va dire, et une dans chaque main, et c'était vraiment hyper puissant. Tout le monde rageait sur Modern Warfare 3 pour cette arme, et là ils nous ont mis un spécialiste avec en gros des FMG9 Akimbo silencieux, donc en plus on est discret, qui sont absolument surpuissants, assez précis en plus, et qui se débloquent trop facilement honnêtement. Si on fait une grosse partie on peut le débloquer largement 3 fois d'affilée dans la partie. Donc après à titre de comparaison, par exemple la faux sur Black Ops 3 c'était un spécialiste qui était très fort mais qui se débloquait 2 fois par partie en moyenne, voilà 2 fois. Certains même le débloquaient qu'une fois quand on faisait des mauvaises parties, mais voilà, c'était quelque chose de puissant qui était dur à avoir on va dire, mais là c'est vraiment trop facile, donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose. C'est vraiment moi le gros point faible de ce jeu, c'est pour ça que j'ai fait du jeu d'armes. J'espère qu'il y aura des modes par exemple comme le mode compétitif qui pourra par exemple patcher des trucs comme, enfin qui pourra bloquer ce genre de trucs. Ça pourra vraiment être intéressant de faire de l'arène ou des modes compétitifs sur ce jeu, parce que il y a des choses comme ça qui sont vraiment vraiment chiant je trouve. Moi perso Call of Duty j'aime bien quand c'est quand même un petit peu quand on gagne des duels parce qu'on a un bon shoot ou parce qu'on a bien géré nos déplacements. Mais si là, on arrive avec notre truc en akimbo et qu'il suffit juste de tirer quelques balles au hasard et ça tue, je trouve ça vraiment abusé. Comme l'autre spécialiste qui est celui où on se transforme en chien, en gros. On va activer notre spécialiste, on va se transformer en chien, on va se mettre à 4 pattes et on va arriver, on va donner un coup de patte à un ennemi et il va mourir. C'est juste horrible. Franchement, les gens qui jouent à ça, c'est... Au début, je pensais que c'était une série de victimes. Donc je me suis dit voilà, est-ce qu'il faut faire 10 kills d'affilée pour avoir ça? Ok, ça pourrait être mérité d'avoir un truc un peu cheaté comme ça, mais si c'est juste une série de victimes, enfin un truc de spécialiste justement, ben je trouve ça vraiment abusé. Donc voilà, le jeu je le trouve intéressant mais il y a quelques trucs cheatés, donc voilà je voulais vraiment vous expliquer ça. Là après pour vous parler un petit peu de la vidéo, donc je n'avais jamais pas fait de jeu d'armes encore, donc je découvrais les armes, c'est pour ça que des fois vous avez dû voir quelques bugs. Quelques fails. Donc là en fait je cutais les gens, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire, je pensais qu'il fallait faire un kill au couteau, mais en fait c'était un kill au couteau lancé, donc vous allez voir que je vais quand même gagner, même si j'ai fait 2 kills au poignard, mais du coup je vais quand même réussir à gagner. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous ai préparé un petit défi pour mes prochaines vidéos, donc voilà, j'ai essayé vraiment de faire plaisir à tout le monde en expliquant mon avis. Je sais que vous avez été nombreux à me le demander,
Mais voilà, il arrive que maintenant. N'hésitez pas à me donner le vôtre, puisque voilà, ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.